Avec 67, Aubry Sidi, oh, Stéphanie, pardon, avec la 6, Pierre Louis avec le numéro 1, Pépré Estelle avec la 16, Armand David avec la 12, Chouinard David avec la 8, Sonnet Martial avec la 115, Bertin Nolwenn avec la 39, la 210, Valent Stéphane, la 16, Pathé Christophe, la 25, Buisson David, la 19, Botro Florian, et la 2, Potier Julien. Et donc pour l'instant, eh bien, c'est Potier Julien qui est en tête. Hop là, oh là, 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 là. Et un tonneau. C'est Florian Botero qui est sur le toit. On a la ligne là qui est en médaille droite, eh bien, pas de soucis mécaniques. Alors que le commissaire fait sortir je crois qu'on aura le droit à de superbes finales ce soir, à mon avis. Que tout le monde va vouloir être en tête. Ça va être la grosse bagarre. Surtout que pour les cartes, je vous rappelle que cette journée compte pour la qualification pour le France 2010. C'est Nolwenn qui est derrière. La numéro 2. Je pense que si vous continuez, on va pouvoir regarder à moins que. Parce qu'elle se marie à la fin du mois. Donc, il ne faut pas faire de bêtises. Il faut être en pleine forme et se marier à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que Stéphanie vient. Elle est calme pour Laurent parce que. Se font dans 5 tours. Hein. On verra pour les finales, si tu en permets, on les fera en 7 tours. Mais je pense qu'on est bien parti pour pouvoir faire des finales en 7 tours, ça devrait être. On est dans le timing, comme on dit. Donc, eh bien, Julien Potier tient toujours la tête. Alors que Buisson David, eh bien, est passé devant Bertin Nolwenn. Un tour. Et
Donc les T2 sont des véhicules qui ont des moteurs de 1400 km. Voilà, futur marié, donc la numéro 6. Je crois qu'elle est en train de perdre d'ailleurs la glace de la portière. Hein. Merci pour Eric. D'accord. Tu auras du travail sur lui. Là, il faut que les virages soient là. Bien là. Toutes les personnes. Je vais terminer pour le petit jeu.